L'ambassade appelle à la plus grande prudence et à une vigilance renforcée. Ce SMS a été envoyé mercredi aux ressortissants français installés en Tunisie. Devant un établissement scolaire de Tunis, la sécurité est assurée, même si ici, personne n'est vraiment inquiet. Non, mais on fait attention, je pense, comme on ferait attention dans tous les pays. Voilà, on ne se sent pas plus en insécurité actuellement. Je pense qu'il faut faire attention, comme partout. Mais en Tunisie, il n'y a aucune atmosphère anti-français. Il n'y a aucune peur à avoir. Les gens exagèrent. Je ne sais pas, bon, ça fait marcher les télés, ça fait truc, c'est bien. La Tunisie, c'est le danger, c'est le Daesh, c'est les coupeurs de tête. C'est pas vrai tout ça. Les événements liés au terrorisme islamiste à l'étranger semblent loin d'ici. Il y a près de 30 000 Français en Tunisie. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais été victimes d'attentats terroristes. L'ambassade de France a demandé aux autorités tunisiennes un renforcement de la sécurité des établissements officiels français. Depuis plusieurs mois, les autorités algériennes et tunisiennes travaillent ensemble pour maintenir la sécurité aux frontières. Les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses arrestations de terroristes présumés. Le pays est en alerte, d'autant qu'il prépare des élections importantes. La bonne tenue de ces élections dépend aussi de la sécurité du pays.